Bonjour les Bonsaïka, bienvenue dans cette vidéo format court. Je vous présente un petit travail sur un cotonnier aster que vous connaissez. J'ai fait deux vidéos sur cet arbre. On va regarder un petit peu le système racinaire. On peut voir que l'arbre il fait son automne actuellement. On va enlever tout le grillage que j'avais posé pour que je puisse avoir un peu de mousse, puis qu'il ne soit pas en permanence attaqué, parce que j'ai pas mal de merles par ici. On a quelques petites herbes qui ont poussé. J'avais mis des grilles plastiques. C'est quand même assez solide, ce qui permettait de protéger tout le système racinaire. On peut observer que l'enracinement est bon. La grosse racine ici fait bien le tour de la pierre, celle-ci aussi. Et puis là, il y en a une autre qui part vers le bas. C'est vraiment l'effet que je voulais. On a plusieurs choix possibles sur cet arbre. Ou bien on laisse cette face avec tout ce système racinaire posé. Mais j'aimerais quand même ramener l'arbre ici. Donc on pourrait imaginer une solution avec cette branche-là. Ou alors, on décide de cacher l'arbre derrière la pierre. Et puis, on va ramener la tête vers ici. Et puis, on aura un mouvement par là. On pourrait venir par ici en longueur. Ça pourrait être sympa. Je préfère mettre en valeur la pierre avec une petite racine là qui va partir. Une autre ici. C'est pas son pot définitif. On va pouvoir encore bouger l'arbre dans plusieurs sens. On pourra mettre encore plus la pierre et le système racinaire en valeur. Comme par exemple ici ou en levant un petit peu comme ça. Avec ma pince oblique concave, je vais venir couper ici cette petite branche. Ici aussi, j'ai une petite branche dans l'angle. Ici, on a une branche aussi. Maintenant, c'est plus propre. On a une branche de profondeur ici. Et on a une branche ici de côté avec cette tête-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ligaturer ces parties pour essayer de basculer l'arbre vers l'avant. Ensuite, on viendra retoucher les longueurs. Je vais poser mon fil de ligature. C'est un petit exercice relativement simple. On est à la bonne période pour faire ça. Moi, j'aime bien faire ça à l'automne. Faire la taille sur le coteau et en même temps positionner correctement ses branches. Là, je pose avec du fil d'aluminium du 1,5 mm. Je n'ai pas besoin d'aller très très loin. C'est pour ça que c'est pas des fils qui sont très longs. Par contre, j'ai besoin de donner des formes sur les petites branches. On essaye de ne pas croiser. Ensuite, les spires du premier fil et toute cette partie-là qui descend. Ça, je vais pas le garder. Donc en fait, mon fil, voilà, je vais donner du mouvement ici pour amener ça. Ça va être la branche arrière, donc de profondeur. Voilà, quelque chose en trois dimensions en même temps. Donc voilà, et ici pareil, on peut imaginer une petite branche comme ceci. Donc toute cette partie-là, on va couper. Ça va être la profondeur de mon arbre. Voilà, ici. On peut même encore réduire un petit peu cette branche-là. Et également celle-ci. Avoir un plateau par ici, ça pourrait être bien. Et puis, ici, on pourrait éventuellement donner un peu de mouvement. Mais avoir quelque chose d'assez court aussi. Alors, il faut faire attention parce que c'est une branche qui est assez fragile. Et elle va couvrir ici, donc ça se plie très bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, puis on va couper aussi les longueurs. On n'en a pas besoin. On va faire des plateaux assez courts. On reviendra dessus pour le réglage à la fin. On s'occupe de la partie haute de l'arbre. Je vais armer un fil sur cette branche. On va aller ligaturer une des branches du haut. Alors, vous pouvez prendre n'importe laquelle. De toute façon, on ne va pas toutes les garder. On va enlever le trop-plein de fil. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger cette partie. On va essayer de la plier par ici. Alors, il va falloir qu'elle vienne tout doucement. Et en plus qu'elle vrille, ça serait bien qu'elle vrille comme ceci. Et ici, on vient positionner la branche pour la profondeur en hauteur. Ici, on vient positionner cette petite branche. On va lui donner un peu de mouvement. Et comme ça, elle va coiffer l'arbre ici. Celle-ci est mal placée, donc je vais l'enlever. Elle est trop raide. Je ligature cette branche ici, qui va me permettre de faire la profondeur de la tête de l'arbre. Je vais venir essayer d'accrocher cette petite branche ici aussi. Je rabaisse un petit peu encore
Voilà, ici je positionne bien cette branche sur le côté. Celle-ci va faire la profondeur ici. Et puis celle-ci, elle va redescendre également. Vous voyez que c'est très très élastique, hein, le cotonné aster. Alors ça peut casser, hein, bien sûr, mais de toute façon, c'est pas très grave si on casse, parce que quand on casse le cotonné aster, il rebourgeonne très très vite en arrière. On va régler les longueurs. Je pense que ça, vous voyez, ça peut donc être la tête. Maintenant, elle est vraiment redescendue sur l'axe avec la pierre. J'aime beaucoup. Là, maintenant, on a quand même du mouvement sur cette partie-là. Bon, j'espère aussi du rebourgeonnement pour avoir des branches ici, hein, parce que ça manque un petit peu. Alors ici, on va faire la tête. C'est là où on lui donne vraiment du mouvement. Cette longueur, on n'en a pas besoin. Ici, on n'en a pas besoin non plus. Là, on a aussi une branche qui va faire office de profondeur de la tête. Maintenant, je règle les longueurs. Quand même, il y a trop de longueur. Ici, pareil. Voilà. J'ai du matériel dans les courbes. Ça, je vais l'enlever. La longueur suffira amplement. On va couper déjà à ce niveau-là. Et puis ensuite, à ce niveau-là. Petits ajustements. Voilà, là on a quand même quelque chose qui a encore plus de mouvement. J'ai raccourci encore un petit peu cette branche. Il faudra imaginer quand même un rebourgeonnement sur cette partie-là. Donc je vais bien le mettre quand même à la lumière. Pas au soleil direct, mais à la lumière. C'est fini pour ce format court. Petit tutoriel très rapide. Nettoyage, mise en forme avec de la ligature. Et puis ensuite réglage de la longueur des branches. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!